Coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 juin. J'espère que vous allez bien. Donc, bientôt, ça va être l'été. Donc, aujourd'hui, ça va être une petite présentation pour les accessoires d'été que j'ai fait moi-même. Donc, si vous êtes bien installés, c'est parti. Premièrement, bon, je tiens à remercier tous mes abonnés pour leur gentillesse de regarder ma chaîne et d'abonner. Et aussi pour les nouveaux. Et si vous aimez mes créations, vous pouvez liker et partager avec vos amis. Ça me ferait un grand plaisir. Donc là, aujourd'hui, bon, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour la jeunesse, pour les enfants, disons. Regardez, des petites. Comme vous savez tous, que je fais souvent des fleurs. Donc là, vous voyez, je fais le serre-tête avec. Donc, vous voyez, voilà, comme ça. Comme c'est. De toute façon, si vous regardez ma chaîne, que vous savez comment j'ai fait ce genre de petites fleurs. Hein? C'est simple à faire, d'accord? Et donc là, je vais vous montrer d'autres aussi. Regardez, ce genre comme ça. Toujours pour les enfants. Regardez. Voilà. Et j'ai ce style aussi pour les baptêmes. Je vais vous montrer. Regardez. Pour les baptêmes, ça peut être aussi le mariage, tout ça. Regardez. Comment c'est joli. Regardez. Avec du satin, des tulles et des perles. Vous allez sur. Si vous voulez faire ce genre de fleurs, vous cliquez sur le Cilia Création. Donc, vous voyez comment je fais. C'est pas compliqué du tout à faire. D'accord? Et donc là, il y a aussi pour les petits bébés. Regardez pour les nouveau-nés. Regardez. Regardez. Je vais mettre sur la tête de la petite nouveau-née. Vous allez voir comment c'est vraiment très, très joli. Hein? Regardez. Regardez comment ça fait. Pour les petits bébés, regardez. Vous voyez? Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui, pour les adultes aussi. Regardez, pour les adultes, des headbands, comme on dit. Regardez. Tout ça, ce sont les accessoires pour l'été, au fait. OK. Je vais vous montrer comment je procède pour mettre la headband. Là, vous avez la personne, disons. Hein? Là, c'est le même cas, mais bon. Vous la passez derrière la tête. Vous passez derrière la tête. Ainsi. Vous passez. Ça, c'est avec le fil de fer, d'accord? Cela. Vous passez derrière la tête comme ça, vous faites un nœud, vous faites un deuxième nœud, vous faites un genre petit fleur ou sinon, vous savez, des petites oreilles, des petits lapins. Tout ça, c'est des petites choses d'été, donc c'est assez sympathique. Regardez. Vous voyez? Voilà. OK. Vous en avez d'autres aussi? Je vais vous montrer avec le tissu un peu exotique. Regardez comment c'est joli. Le tissu est très joli. Alors, c'est aussi le fil de fer. Hein, regardez. Vous faites le nœud. Vous tournez. Ça, vous pouvez faire un genre de petit fleur, disons. Vous le tournez, tournez. Vous voyez, comme ça. Les accessoires d'été. D'accord? Et j'en ai d'autres ici.
Regardez avec le tissu écossais. C'est facile à faire. Bon, si quelqu'un veut bien que je le montre comment il faut faire, hein, c'est très facile à faire. Donc, il y a ce style aussi. Et aussi, on a aussi pour le baptême, regardez. Regardez. Avec des petites plumes. Soit les baptêmes pour les enfants. Pour un petit nouveau-né, regardez. Regardez comment c'est joli. C'est extensible, hein? D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, voilà. Ça, c'est un genre de bandana, disons. Vous voyez? Ils appellent ça bandana chapeau. Je viens juste de le faire, hein? Donc, c'est pas non plus compliqué. Je vais mettre sur la tête du mannequin. Vous voyez? Ça se présente comme ça. Regardez comme ça. Et le derrière, vous cachez la nuque avec comme ça. Il y a une élastique derrière. Ou bien vous mettez cette partie aussi, ces deux zones, cette partie devant. D'accord? Je vais vous montrer à peu près comment ça fait. La partie de devant. Ça fait genre un petit chapeau et bandana en même temps. Deux zones, c'est ça qu'ils ont dit. On fait un peu comme ça. Oui. Pour le devant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Simplement. Envie de vous montrer ce que je fais pour l'été, des headbands ou des serre-têtes, comme on dit. Donc, vous voyez, c'est très joli pour les enfants et même pour les grandes personnes pour l'été quand on va à la plage pour se protéger quand on a les cheveux mouillés. C'est bien pratique, hein? Hein? Ok, bah, sur ceci, bah, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et à très bientôt, Cilia Création. Bye bye.